En 2016 et 2017, on n'a jamais été aussi nombreux à aller au cinéma. Si nombreux que la France est le pays européen où on va le plus en salle. Chaque Français va environ 3 fois par an au cinéma, c'est un chiffre énorme qui augmente de plus en plus. Mais avec l'arrivée d'Internet, il est clair que le contenu qu'on regarde et la manière dont on le consomme est en train de changer. Alors qu'il y a quelques années, le cinéma était le lieu pour voir un film, aujourd'hui il n'est plus le seul, et les salles ne sont plus le passage obligé pour profiter du 7ème art. On a maintenant un mini-cinéma dans notre poche, et le contenu gratuit, comme payant, disponible sur Internet, est de plus en plus riche et qualitatif. Car les films sont à la frontière entre un ancien et un nouveau support. Comme quand on est passé du muet au parlant, du noir et blanc à la couleur, de la cassette au DVD. Aujourd'hui, les films se passent de plus en plus de supports physiques, et même parfois de sorties dans les salles. Alors à ce moment, une question se pose. Quel est le futur du cinéma ? Car aujourd'hui, le clivage est net. Notre génération, on a complètement intégré Internet dans notre vie. Mais l'industrie du cinéma, ou plutôt de la diffusion, elle est restée sur des vieux schémas. En 2017, le Festival de Cannes a même été jusqu'à interdire tous les films qui ne sortent pas en salle de la compétition officielle. Et la FNCF, qui co-dirige le festival, a même déclaré que les films qui ne sortent pas en salle remettent en cause leur nature d'œuvre cinématographique. À ce niveau-là, on voit la différence entre les deux générations. Est-ce qu'une musique n'est plus aussi belle lorsqu'elle n'est pas écoutée sur un support physique ? Est-ce qu'un livre perd tout son sens lorsqu'il est lu sur une liseuse ? Tous ces problèmes sont des évolutions de la société. Et ce n'est même pas le fond qui change, mais c'est la forme. Est-ce que, même si chaque génération, chaque individu a sa préférence, est-ce que cette forme importe tant ? N'est-ce pas plutôt le fond qui compte ? Comme je le disais au début, 2007 c'est la troisième meilleure année pour les salles depuis 50 ans. Mais le truc c'est qu'il n'y a pas que le cinéma qui se porte bien. Depuis 2016, Netflix a lui aussi multiplié son nombre d'abonnés par 2,5, passant de 600 000 à 1,5 million. Ok, donc d'un côté on nous dit que le cinéma ne s'est jamais aussi bien porté, et de l'autre que Netflix a une croissance quasi exponentielle. J'ai du mal à croire que les gens regardent des films à la fois à la maison et à la fois en salle. Alors, où est le problème ? Les salles françaises ont réussi à rester très innovantes, très dynamiques et pour accueillir des publics, et notamment les jeunes, parce que grâce à une opération en plus qui a été lancée pour, en faveur des jeunes de moins de 14 ans, avec des prix de billets très bas, autour de 4 euros, les jeunes sont vraiment retournés dans les salles. Ça, c'est Frédéric Brédin, la présidente actuelle du CNC, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée. Ce dont elle parle, c'est le programme lancé par le CNC en 2014, 4 euros pour les moins de 14 ans. Maman, je suis malade. Arrête ton cinéma, va, y a pas école aujourd'hui. Ah bon ? Bah t'as pas 4 euros alors ? Mais pour comprendre d'où vient cette baisse de prix, il faut d'abord comprendre où va notre argent lorsqu'on achète un ticket de cinéma. Sur un ticket à 8 euros, on enlève d'abord les 5% de TVA, puis 1,5% la part de la SACEM qui gère les droits d'auteur pour la musique du film. Ensuite, à chaque billet acheté, on participe à l'industrie du cinéma français grâce à une taxe appelée la TSA. C'est 10% du billet qui va directement dans les poches du CNC, qui propose ensuite des aides pour développer l'industrie du cinéma. Et les 82% restants sont répartis entre le distributeur et la salle de cinéma. Pour passer les places de cinéma à 4 euros pour les moins de 14 ans, c'était en fait le gouvernement qui a réduit la TVA des places de cinéma de 7 à 5% pour tous, à condition de proposer ce tarif spécial jeune. Ainsi, quand on achète une place de cinéma à 4 euros grâce à ce programme, c'est pas la salle de cinéma qui nous fait une fleur, mais le gouvernement et le CNC. Alors, on peut se demander pourquoi on nous fait ce beau cadeau. Eh bien, c'est pour encourager les jeunes à retourner au cinéma. Le CNC décrit cette opération comme un succès, et c'est vrai. On peut clairement voir en 2014 que le public des 7-14 ans est retourné dans les salles. Mais cela n'a clairement pas duré, et aujourd'hui les jeunes générations sont dans une lente décroissance. Logiquement, qui dit changement de public dit aussi changement de contenu. Les producteurs et distributeurs de films s'adaptent à leur public potentiel et font des films qui plaisent à la tranche d'âge majoritaire. Et ben oui, forcément. Comme avec l'arrivée de la télé dans les foyers, le cinéma souffre de cette nouvelle vague de contenu en ligne.
Je suis ici au cinéma Tuschinski à Amsterdam, considéré comme l'une des salles les plus spectaculaires au monde. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment, même pas 30 ans après l'invention du cinéma, cet homme d'affaires hollandais a fait en sorte de créer une expérience cinématographique unique. Quand Tuschinski ouvre en 1921, le cinéma était une expérience vraiment magique pour les spectateurs. Les gens allaient voir les premiers effets spéciaux avec les films de Méliès, les premières comédies avec Chaplin. En construisant son cinéma, Abraham Tuschinski voulait créer l'excellence du cinéma et faire entrer le spectateur dans un monde où seul le film existe. Il a conçu un bâtiment dont l'architecture lui-même participe de la féerie pour emmener le spectateur dans un monde de l'illusion, loin de leur quotidien. Aujourd'hui, voir un film n'est plus aussi magique que ça l'était à l'époque. C'est devenu quelque chose de banal, on consomme n'importe où, on n'hésite pas à mettre en pause, à regarder notre téléphone, manger du popcorn, etc. Comment recréer cette magie avec Spider en 1921 ? J'ai regardé par curiosité dans d'autres milieux si, comme au cinéma, le streaming et Internet en général ont un impact négatif sur les modes de diffusion entre guillemets « classiques ». Et il s'avère que non. Dans le milieu de la musique, on voit que le nombre d'abonnés aux services de streaming augmente en même temps que le nombre de places de concerts vendues. Alors, on en déduit que pour le cas de la musique, le streaming a soutenu la vente de billets pour les concerts en démocratisant la musique pour la rendre accessible à tous. Il nous a permis de découvrir de nouveaux artistes qu'on n'aurait sans doute pas connus autrement et donner envie d'aller voir leurs concerts. On peut faire un rapprochement avec le cinéma. Internet nous permet de découvrir de nouveaux réalisateurs comme jamais auparavant. Mais une séance de cinéma n'est pas aussi unique que peut l'être un concert. Il n'y a pas cette expérience, ce contact humain qui enrichit l'œuvre par rapport à la simple écoute d'un disque. Au final, c'est peut-être ça qui manque aux salles. Offrir un vrai plus par rapport au visionnage chez soi, au-delà d'une simple amélioration de la qualité de visionnage. Mais il n'y a pas que le public qui change. Il y a 10 ans, créer une vidéo était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Le matériel plus cher, les producteurs rares et les modes de diffusion fermés. Dans 10 ans, il est probable que cela s'inverse de plus en plus. La technique sera plus intuitive et nous laissera nous concentrer sur l'histoire qu'on veut raconter. On peut penser que le temps passé à la recherche du diffuseur pourra être réduit et permettra au créateur de se concentrer sur l'essentiel de la production. Son histoire, la recherche d'acteurs, le repérage, ce qui finalement définit vraiment un film. Aujourd'hui, c'est vraiment YouTube qui a réussi à avoir le monopole du contenu gratuit sur Internet. Cette gratuité est à la fois sa force et sa faiblesse. Le mode de diffusion de YouTube, ou plus généralement d'Internet, permet de créer quelque chose d'instantané, qui est disponible là maintenant tout de suite. Ce qui correspond très bien au mode de travail de la plupart des vidéastes. On crée, on publie et on est rémunéré en fonction de son audience. Mais pour ceux qui veulent faire du contenu qui s'approche à ce qu'on peut voir au cinéma, de la fiction, du documentaire, etc., qui demandent plus de financement en amont de la production, ce n'est pas vraiment l'idéal. Pour le moment, les partenariats, les crowdfunding et les aides publiques compensent ce manque. Mais est-ce que ça va durer ? Même si c'est la plateforme vidéo la plus utilisée, je ne suis pas sûr que YouTube soit réellement le bon endroit pour faire émerger de nouveaux créateurs, alors que pourtant on en aurait besoin. Ce contenu gratuit génère un trafic énorme et permet de développer son audience. Mais d'un autre côté, le risque est de délaisser des œuvres qui s'éloignent de la norme pour privilégier des vidéos plus consensuelles. Ce modèle économique encourage le créateur à lui-même censurer ses ambitions pour faire du contenu facile à regarder. Au final, comme quand un producteur pourrait demander de changer son scénario pour faire plus d'entrées, quitte à délaisser une œuvre s'éloignant de la norme. En France, à ce niveau-là, on est quand même très chanceux. France Télévisions, le CNC et Arte financent des projets qui sont parfois dangereux d'un point de vue économique. Bref, on a la culture de la diversité et non pas de la rentabilité. Mais forcément, pour des systèmes comme YouTube, ces deux concepts ne vont pas forcément de pair. Et YouTube est conscient que son modèle économique n'est pas viable. C'est pourquoi on voit arriver YouTube Red. Le problème étant que ces séries originales favorisent les gros créateurs de sa plateforme. Ils se basent donc en grande partie sur l'influence de leur communauté pour créer du contenu payant. Et YouTube est conscient que la publicité ne fait pas tout. C'est pas un modèle économique stable, à la fois pour l'utilisateur et les vidéastes. Au final, seuls les annonceurs en bénéficient. Et si c'est pour que Dior et McDonald's contrôlent ce que je regarde à grands coups de publicité ciblée, non merci. C'est pourquoi Google développe son offre payante Red, pour jouer dans la cour des grands et proposer un service payant semblable à ce que fait Netflix. Mais il y a un hic. Si on regarde le détail de l'offre américaine de YouTube Red, on s'aperçoit rapidement qu'aucun créateur de moins de 3 millions d'abonnés ne produit de série originale Red. Google sélectionne donc leurs vidéastes en fonction d'un chiffre. C'est assez étrange pour une plateforme se revendiquant comme libre et ouverte.
YouTube ne favorise pas les créateurs qui ont un projet intéressant artistiquement parlant, mais sur ceux qui ont la plus grande influence et qui peuvent encourager le plus de monde à cliquer sur acheter. Les salles de cinéma vont sûrement être de moins en moins fréquentées dans le futur, mais pourtant, l'audiovisuel est de plus en plus omniprésent dans nos vies. Donc comment les cinémas peuvent-ils changer pour encourager les jeunes générations à revenir dans les salles ? Il y a de plus en plus de créateurs indépendants qui cherchent à faire entendre leur voix, des personnes cherchant des financements mais n'en trouvent pas, des spectateurs prêts à découvrir de nouveaux univers, pas des redites. Donc si les salles de cinéma veulent survivre, ce n'est pas sur le popcorn, les boissons, les fauteuils, les projecteurs haute définition qu'elles doivent miser, mais sur l'humain. Les rencontres de passionnés de cinéma, les jeunes réalisateurs qui ont quelque chose de nouveau à proposer. Soyons utopistes. Comme les œuvres indépendantes sont de plus en plus nombreuses, pourquoi ne pas imaginer des séances de contenus plus locaux, de créateurs de la région cherchant de la visibilité ? Des séances de cinéma basées sur un sujet composé de différents courts-métrages et non pas sur un film en particulier. Mais une salle peut proposer tellement plus que des simples projections. On peut imaginer plein d'évolutions pour qu'elle se transforme en véritable lieu de rencontre, pour partager ensemble notre passion pour le cinéma. Rencontres de réalisateurs, masterclass, formation du jeune public, analyse de scène, les possibilités sont nombreuses. Et même, pourquoi ne pas imaginer qu'elles puissent devenir des réseaux de distribution pour leur propre film, le film de ce cinéma. Plein de solutions existent pour créer des rencontres dans un cinéma qui non seulement sensibiliseront le public, mais aussi permettront aux générations de demain d'avoir un nouveau regard sur l'audiovisuel. C'est ça le futur des salles, développer leur propre univers et faire découvrir de nouveaux talents. Mais ça, pour le moment, seuls certains cinémas d'art et essai l'ont compris. L'arrivée d'Internet dans tous les foyers a permis à une génération de vidéastes indépendants d'émerger. Aujourd'hui, on peut créer et proposer du contenu directement sans avoir de gros moyens. Mais nous sommes encore aux prémices de cette révolution audiovisuelle. Quand on crée un film, c'est comme s'il restait dans le parcours que lui impose son mode de diffusion. Pour un film qui sort en salle, par exemple, ça va être d'abord des festivals, puis diffusion en salle, DVD, VAD, puis SVOD. On n'est plus dans un monde où un film qui sort en salle doit forcément avoir été créé dans un schéma traditionnel. Si un film produit à la base pour Internet est bon, et que sa diffusion mérite la salle, alors pourquoi on ne devrait pas le diffuser comme il le mérite ? Bref, on ne peut plus dire que ce qu'on crée sur Internet ne mérite qu'une diffusion sur Internet. Mais ce questionnement remet en cause toute la chronologie des médias, qui certes protègent nos salles, mais parfois empêche le grand public de voir un bon film. Ce qui est fou, c'est que malgré toute la liberté qu'on a sur Internet, les vieux schémas qui viennent de la télévision, qui vont plutôt favoriser des formats déjà existants qui marchent et des œuvres grand public, sont en train d'être répétés sur Internet. Et il serait temps de créer des nouvelles formes de diffusion qui permettent aux créateurs indépendants d'expérimenter avec de nouveaux genres et d'expérimenter avec de nouveaux formats, et à la fois de se faire connaître. C'est là que les salles de cinéma ont un rôle à jouer. Sensibiliser le public, accompagner le travail des vidéastes, créer du lien pour faire émerger les talents de demain. C'est pas parce que l'audiovisuel est en plein essor sur Internet que les salles ne peuvent pas en profiter. Surtout quand il s'agit de culture, on peut pas compter que sur des algorithmes et de la publicité pour faire découvrir de nouveaux créateurs. Aujourd'hui plus que jamais, on a besoin de remettre l'humain au cœur de nos vies.